Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts à des adversaires avec une arme légendaire. Alors les armes légendaires, c'est tout simplement les armes en or comme vous le voyez ici. Donc vous pouvez les trouver dans des coffres légendaires. Cependant, si vous voulez, vous pouvez aussi améliorer une arme épique, donc une arme violette ou une arme bleue, avec les établis d'amélioration pour obtenir directement une arme légendaire si vous avez de la difficulté à en trouver. Mais normalement, les armes légendaires, vous allez sûrement en trouver assez facilement. Mais si vous avez trop de lingots et que vous voulez les utiliser, n'hésitez pas à utiliser un établi d'amélioration. Donc ensuite, quand vous avez votre arme de niveau de rareté légendaire, ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger 150 de dégâts à un adversaire. Donc vous allez devoir trouver un adversaire, ensuite lui infliger 150 de dégâts. Hop, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc là, j'ai infligé 30, 34, 34, ça fait 60. Ouais, donc là, ça fait une histoire de 100 dégâts. Donc, il faudra peut-être deux adversaires pour terminer votre défi, à moins que l'adversaire a du shield. Si l'adversaire a du shield, à 50 de shield, vous allez pouvoir réaliser le défi directement avec un seul adversaire. Et dès que vous aurez infligé 150 de dégâts à un adversaire avec votre arme légendaire, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulu Mike et ciao. Peace!